est passé sur 25 minutes de jeu. Alors, toujours sous forme de conservation. Conservation de ballon avec une sorte de sens. Parce que par définition, une conservation n'a pas forcément de sens au jeu. On ne met pas de but, on ne met pas d'objectif. Donc nous, ce qu'on a mis comme objectif, c'est déterminer sur une bande de terrain qui faisait à peu près 60 mètres de long, divisé 4, à peu près 4 carrés équitables, et dans laquelle on pouvait faire un 10-10, plus 2 jokers. Objectif du jeu, essayer de trouver un partenaire de son équipe, bien évidemment, en une touche de balle, dans le carré suivant. Si on trouvait dans le carré, deux carrés suivants, ça faisait un bonus de points. Donc toujours l'objectif, maîtrise collective, mais jouer tête levée et essayer de trouver des actions de plus en plus rapides, de plus en plus profondes. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la conservation du ballon, c'est bien. Par contre, c'est vite freinant au niveau de la compétition, puisque on n'a pas de profondeur ou très peu de profondeur. On n'a pas de frappe vers le but, on n'a pas d'action décisive vers un but. Donc, du fait que ça, c'est notre tronc commun à la formation, ce mode de conservation, on essaye d'y ajouter des variations. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était de la conservation avec du jeu vers l'avant ou du jeu des joueurs lancés et libres, loin de l'objectif du porteur du ballon. Troisième partie. Donc la troisième partie était consacrée à une séquence de jeu où on a mis un sens avec des buts mobiles. Enfin avec un but mobile, pardon. Donc on a coupé le terrain en deux. Voilà, on en a pris la moitié. Et on a dessiné, enfin balisé, deux surfaces de but, donc la surface de but déjà existante et puis la seconde matérialisée avec des cônes, mais juste deux cônes pour pas se gêner. L'objectif, c'était pour les équipes de jouer avec le gardien de but les deux axiaux très écartés de chaque côté de la surface, faire grimper les latéraux qui étaient devant, une opposition à 10 contre 10 sur un demi-terrain. Voilà. Et l'objectif, dans un premier temps, c'était, suivant ce que proposait l'équipe adverse, s'il y avait un marquage de fait sur les axios là, de trouver par le biais du gardien sur un renvoi de 6 mètres les zones immédiatement supérieures. Donc ce qui revenait à ce qu'on avait fait dans la conservation auparavant. Donc c'était ou ici, ou alors trouver, bien évidemment dans les règles du football, puisque le ballon doit sortir de la surface de réparation sur un 6 mètres, trouver un joueur qui décrochait et qui venait au ballon. Et pour ce faire, il faut bien évidemment s'organiser et laisser des zones disponibles de façon à ce qu'on puisse rejouer. Et surtout, le mot d'ordre, c'était qu'on n'ait pas peur de rejouer avec le gardien de but de façon à attirer les adversaires et à pouvoir les jouer dans leur contre-pied.
Dans cette troisième partie qu'on avait coupée en deux, on a vu que on avait essayé de mettre en place un travail tactique, donc était de faire sortir l'adversaire, par un système de déplacement des défenseurs dans notre moitié de terrain. Et comme l'essence même du football, c'est quand même jouer, prendre du plaisir, se faire plaisir, que les gamins s'éclatent, on a considéré que la deuxième partie, on allait les laisser libres, ce qui est assez rare chez nous, mais libres dans le sens où on respecte le jeu. Donc ça veut dire quoi respecter le jeu? Ça veut dire tout et pas grand chose à la fois. C'est qu'ils se respectent entre eux par le dosage des passes, l'intelligence des remises, l'intelligence des déplacements, qu'on puisse dribbler, mais qu'on puisse dribbler dans les zones qui sont utiles. Dribbler pour redribbler derrière et pour reculer, on n'y voit pas l'intérêt. Donc libre, mais on va dire au choix des coachs et à l'intelligence des joueurs. Donc la deuxième partie, elle a duré également 20 minutes, où on a mis l'accent sur trouver des joueurs éventuellement dos au jeu, hein, quand on attaquait dans ce sens-là, trouver des joueurs dos au jeu ou des joueurs écartés le long des lignes de touche, de façon à amener des ballons devant le but, ou justement ces joueurs qu'on pouvait trouver aussi en remise. Voilà. Et puis, du fait aussi qu'on avait deux gardiens de but sur une surface de but assez rapprochée, ce qu'on voit peu souvent à notre goût dans le football français, c'est de la frappe au but, quoi. Petit retour sur la séance, on en revient toujours au même constat, c'est-à-dire que à partir du moment où on réduit les zones, on met un maximum de personnes dans des zones donc réduites, assez restreintes, on se retrouve vite les uns sur les autres, sauf pour ceux qui arrivent à apprendre des infos assez tôt, c'est-à-dire se déplacer, avoir vu avant et pouvoir aller dans les zones où là justement l'espace et le temps, ce qu'on a voulu réduire quand on a balisé le terrain, quand on a mis du nombre dans ce petit périmètre, donc on a réduit deux notions, c'est-à-dire l'espace et le temps, il faut quelque part le trouver, l'espace et le temps, sinon on ne peut pas jouer. Donc par rapport à ça, on retrouve toujours les joueurs qui prennent les infos avant, qui ont vu, donc on a toujours l'impression que pour ces joueurs-là c'est facile. Donc par rapport à ça, cette séance-là, elle est possible à partir du moment où on va l'adapter au niveau des joueurs, au public auquel on va s'adresser, au public qu'on va avoir à entraîner.